Djeniba Diabaté de Bordeaux est enfin disponible et toute la population ivoirienne connectée se mobilise pour offrir des vues à leur artiste. Il y a au moins 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Plus de la moitié ont accès à Internet. Et ils sont tous en position d'alerte pour booster les vues. Actuellement, ils sont à 300 000 vues en 2 heures de temps, ce qui veut dire qu'en 24 heures, ils vont atteindre les 2 millions, c'est sûr. En tout cas, j'ai regardé le clip, je trouve ça très bien parce que c'est une vidéo inclusive, c'est une vraie expérience sociale. Cette vidéo inclut presque tout le monde et toute la population va se ressentir dedans. Donc c'est normal qu'il soulève l'artiste à ce niveau. En tout cas, de Bordeaux, je peux pas dire que. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la chance ou bien c'est mérité? Parce qu'après tout, l'artiste a du talent. Il a quelque chose à offrir et ce n'est pas de la dépravation, c'est une vraie musique. Ok, en tout cas, Prince Aimé aurait bénéficié de tout cela s'il n'y avait pas un malos au Cameroun qui a tout bousillé, n'est-ce pas? Tant mieux. Bref, félicitations aux Ivoiriens pour cette démonstration de solidarité qui est contagieuse. Oui, on aimerait que ça se passe aussi chez nous au Togo ici, en tout cas. Et pour ajouter, nous avons aussi deux artistes qui ont sorti, ou deux ou trois en tout cas, il y a des nouveaux clips qui sont sortis aussi au Togo. Je parle de Joykin qui a sorti son clip Tousinam. Je parle de Melio Adjor qui a sorti son clip aussi, Mitonti. Et voilà, plein d'autres sorties. Bref, on aimerait qu'un jour, au Togo aussi, on puisse avoir cette démonstration de solidarité envers un de nos artistes. Voilà. En tout cas, les Ivoiriens, félicitations. Vous avez fait bugger le compteur de YouTube. Ça va aller. Du courage. C'est Django.